Coucou les loulous, j'espère que tout va bien chez vous. On s'est maquillé en live là tout à l'heure, donc du coup je me suis dit qu'on allait en profiter d'avoir un beau petit make-up, hein, que moi je trouve beau, mais bon, une belle petite coiffure que j'ai faite ce matin pour vous faire une petite facteuse. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai pris sur AliExpress une petite coque pour changer un peu de la mienne de temps en temps. C'est une coque M&M's, I don't do mornings, et je me suis dit que j'imagine que ça signifie je ne suis pas du matin. I don't do mornings, je pense, hein. Parce que je ne fais pas les matins, ça fait un peu bizarre, mais je pense que c'est plutôt je ne suis pas du matin. Donc ça, c'est des petites coques qui coûtent rien du tout. Bon, elles sont pas hyper solides, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi deux t-shirts à vous montrer qui viennent de chez un de chez Ali, avec ce truc là qui fait un peu maillot de bain. I was social distancing before it was cool. Je pratiquais la distanciation sociale avant même que ça ne soit à la mode ou cool. Bon, cool, ouais. Que ce soit in. Donc voilà, c'est un petit t-shirt qui vient de chez AliExpress, taille S. C'est un peu du, tu vois, du truc maillot de bain, on dirait, en lycra, quoi. Donc voilà, j'aime bien les trucs à message comme ça de chez Ali. Ça coûte quelques euros, c'est pareil. Et puis celui-ci que je viens de faire tomber par terre, ben voilà, super, ça commence bien. Que j'ai eu sur eBay. Un peu plus cher du coup. Mais alors, c'est vraiment que des trucs floqués. Parce que regarde, c'est comme des Fruit of the Loom. C'est des t-shirts et ils rajoutent dessus un flocage. Et voilà, et voilà. Je trouve que il était trop beau parce qu'en plus, c'est la Barbie d'antan avec le logo d'antan. Parce que le nouveau logo, c'est pas ça. C'est écrit Barbie un peu comme en attaché, quoi. Enfin, tu vois, un peu. Et là, je trouvais que c'était... Donc, je pense que je vais... Voilà. Je pense que je vais le mettre avec mon joggy. Ah ! Sans transition. Je me suis pris... Je me suis acheté une voiture. Donc, j'ai cassé mon PEL, bien sûr. Parce que je voulais pas faire un crédit, en fait. J'en ai profité pour prendre un petit peu plus que prévu. Parce que vous savez que je dois me refaire... Certainement refaire la poitrine, mais ça je vous le dirai maintenant une fois que ce sera fait. Donc j'ai mis un petit peu de côté et j'en ai profité parce que j'avais repéré un jogging qui est magnifique en fait. Juicy Couture en collaboration avec la marque Kappa, n'est-ce pas? Donc, enfin, qu'on achète sur le site Kappa d'ailleurs au passage. Donc voilà, c'est écrit Juicy et derrière, mais vous l'avez vu parce que j'ai pris des photos avec. Vous le regardez sur mon Instagram, vous verrez que j'ai pris des photos avec. Wow! Voilà. Mais trop beau, quoi. Trop beau. Donc voilà. Juicy Couture Kappa. Magnifique, magnifique, magnifique. Avec les petits strass. Et il y a le bas, bien sûr. En plus, ce que j'adore parce qu'il est resserré en bas. Et ça, c'est mon kiff. Donc, tu as le petit logo qui est ici. Et derrière, tu as écrit Juicy. Voilà. Donc, et tout le long, tu retrouves ça. Voilà. Au début, je croyais que tout ça, c'était en strass. Mais non, moi, j'avais rêvé, hein, tu sais, parce que... Mais bon, j'ai eu, je crois, 10 ou 15% pour ma première commande. Mais je ne vous dis pas le prix parce que c'était une fortune. Une fortune pour un jogging. Alors, c'est parce que je suis en jogging tout le temps. C'était une fortune. Donc, voilà. J'ai pris sur Courir la collaboration avec la marque Reebok et le film La Haine. Et... la réplique du film, c'est jusqu'ici, tout va bien. Et j'ai trouvé ça, mais trop cute. Alors, il y a des joggings, je crois qu'il y a des suites, je sais plus. Mais franchement, la casquette, en plus, moi, vous savez que je suis très casquette. Casquette noire, en plus, nickel, j'ai déjà réussi à faire une tache dessus. Je sais pas comment j'ai fait. Bon, bref. Bref. Et pour finir. Oui, ah oui, alors. Oui et non. Je vous expliquerai après pourquoi. J'ai chez Lacoste. C'est écrit quoi? Strong together. Soyons forts ensemble. Oui, bah ça, c'est le petit pochon pour mettre. Je vous l'ai montré tout à l'heure en live. Mon nouveau masque. Alors, moi, je ne mets pas de masque en papier, là. Bah déjà, parce que c'est pas écolo du tout. Et parce que je me vois pas... Au début, je le faisais. Je jetais les masques tous les midis. Et j'en reprenais un. Enfin, j'en mettais deux par jour, quoi, quand j'allais à l'école. Et là, du coup, j'ai pris celui-là. J'en ai pris un sur AliExpress. Et j'en ai un rose que m'a fait la maman de ma collègue. Et un rose que m'a offert une collègue. Une copine, pardon. Donc voilà, donc vous voyez, en espèce de nid d'abeille, je sais pas si tu verras, vraiment comme les polos en fait. Et il est réglable sur le côté. À l'intérieur, il est comme ça, avec le petit logo Lacoste. Je l'ai déjà porté, donc tu vois, là en fait, il est réglable comme des bretelles de soutien-gorge, quoi. Donc nickel. Nickel. Ah oui, et je dis ce n'est pas fini parce que. Attendez, est-ce que tu me vois encore? Oui, tu me vois encore. Mais alors là, attends, parce que.
Donc, c'est du facteuse, c'est de la facteuse aussi, hein, évidemment. J'ai reçu, je ne sais pas si je vous l'avais montré. Attention, attention. Ceci, c'est mon imprimante HP que j'ai commandée en même temps que le PC. Voilà, j'ai pris une imprimante HP parce que ben, je n'avais pas l'imprimante chez moi depuis bien longtemps. J'ai commandé une magnifique peluche. Ah oui, magnifique peluche qui prend énormément de place et qui baviote en plus. Elle baviote, regarde, elle baviote là. Oui, tu baviotes parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce petit cinéma que tu nous fais là de bavioter partout? J'adore. J'ai retrouvé une photo, je vous ai montré sur Instagram de quand j'avais. Attends, je sais pas. Tu focus ou tu focus pas? Tu focus ou tu focus pas? Attends, si tu focus. Quand j'avais ma Golf, c'était en 2001 ou 2002. Oh, mon vernis, il faut que je le refasse. Bon, bref, c'est pas ça que je vous montre. C'est ça que je vous montre. J'ai reçu, c'est flou, mon Easy Soup de Moulinex. Et là, il y a une petite soupe bien veloutée qui m'attend avec un petit pois. Tomates, poivrons, oignons et un avocat. Voilà, donc qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Rien, je suis allée faire quelques courses à Auchan. Donc j'ai pris bien sûr de la Marmite et des baked beans. J'ai pris des kakis parce que j'adore ça. Tout à l'heure, je suis allée à Brico au marché acheter ça pour mes toilettes parce que je suis en train de repeindre mes toilettes. D'ailleurs, je pense que je vais aller mettre la deuxième couche. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao !